Salut tout le monde, c'est Lady, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo d'info parce qu'on a reçu quelques retours par rapport à notre passage sur Twitch. Apparemment, il y a des gens qui sont complètement perdus, donc ne paniquez pas, je suis là pour vous aider, pour vous aiguiller dans cette aventure Twitch, pour vous apprendre à maîtriser cette plateforme. Donc c'est parti, j'ai choisi de reprendre trois questions qui revenaient régulièrement sur nos vidéos ou dans messages privés ou alors sur Twitter. Donc ces trois questions, ce sont les suivantes. Comment rejoindre votre chaîne Twitch directement sur la plateforme? Alors c'est pas compliqué, il y a beaucoup de personnes qui nous ont dit « J'ai beau taper le nom de votre chaîne, je ne vous trouve pas ». Là j'ai une très mauvaise nouvelle pour vous, les personnes qui m'ont dit ça la plupart du temps tapaient Zombie Factory avec un C ou alors au singulier. C'est bête, c'est stupide, mais c'est juste ça la raison pour laquelle vous ne nous trouvez pas, c'est l'orthographe du mot de la chaîne. Donc voilà, ça paraît banal, mais je vous le rappelle, Zombie Factory, ça s'écrit au pluriel, Zombie au pluriel, Factory avec un K et avec un Y à la fin. Donc si vous orthographiez bien le nom de la chaîne lorsque vous faites une recherche sur Twitch, c'est pas plus miraculeux que ça, vous allez enfin pouvoir nous trouver. En ce qui concerne l'espace commentaire, c'est la deuxième question, je n'arrive pas à mettre de commentaire. Donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Lorsque vous êtes sur PC, vous avez le live et sur la droite, vous avez un espace commentaire. Pour pouvoir poster un commentaire, tout simplement, il faut être inscrit. Donc c'est la même chose sur smartphone, tout simplement vous téléchargez l'application, que ce soit sur PC, sur tablette, sur smartphone, la seule obligation c'est de vous créer un compte Twitch et une fois que ceci est fait, vous allez pouvoir poster les commentaires que vous voulez sur les streams que vous voulez, donc c'est vraiment libre, c'est complètement ouvert, vous pouvez poster tout un tas de commentaires, il n'y a aucune restriction à ce niveau-là, le flood est permis. Donc voilà, c'est tout simplement la raison pour laquelle certains d'entre vous ne peuvent pas poster de commentaires. Il faut au préalable vous créer un compte Twitch. Et si malgré ça, ça ne marche pas, eh bien là, il s'agit d'un dysfonctionnement de votre objet ou alors de votre connexion. Mais là, malheureusement, je ne peux rien faire pour vous. Au passage, je tiens à préciser pour les personnes qui n'arrivent pas à trouver les lives en arrivant sur Twitch. Tout simplement, lorsque vous allez sur notre chaîne, il y a notre logo tout en haut à gauche. Et en dessous ce logo, lorsque nous sommes en live, vous avez un petit onglet qui s'appelle « En direct ». Vous cliquez sur cet onglet et vous arrivez directement sur le stream. Maintenant, il y a une méthode beaucoup plus simple qui est celle de nous suivre, donc de cliquer sur le petit cœur à droite du nom de la chaîne. Et à ce moment-là, lorsque nous commencerons un stream, vous serez directement informé du début du stream dans votre boîte email. Pour ceux qui nous suivent sur Twitter, là, aucun problème, puisqu'en général, on annonce nos streams à l'avance en mettant directement le lien du live. Donc, je vous le rappelle, Twitter, c'est vraiment la plateforme la plus efficace pour être au courant en temps réel de notre activité. Et enfin, troisième et dernière question, c'est celle des rediffusions. Vous avez été nombreux à vous plaindre de Twitch en disant que vous n'avez pas la possibilité de voir les rediffusions, que vous préfériez YouTube parce que parfois vous ne pouvez pas suivre nos lives et vous regardez les rediffusions. C'est absolument faux puisque tout simplement sur Twitch, vous avez accès à un onglet qui s'appelle « Diffusion précédente » et qui vous permet de voir les rediffusions des lives des différents streamers que vous suivez. Donc en fait, je tiens à vous préciser au passage que cette rediffusion, tout comme le fait de regarder un live chez Twitch, n'est pas payant et ne nous apporte aucun argent. Nous sommes rémunérés pour les lives que nous faisons sur YouTube, mais nous ne le sommes pas pour ceux qui sont faits sur Twitch. Donc raison au passage supplémentaire pour vous expliquer que non, on ne passe pas sur Twitch pour l'argent puisqu'au final on perd de l'argent si on le voit de cette façon là mais tout ça pour vous dire et bien vous préciser que non, vous n'avez pas à payer pour regarder les diffusions et rediffusions, c'est entièrement gratuit et vous n'avez pas besoin ni vous ni nous d'être partenaire pour le faire. Donc tout simplement vous allez sur notre chaîne et dans l'onglet profil de la chaîne vous avez un onglet qui s'appelle rediffusion précédente et là vous avez miraculeusement tout, absolument tous les streams que nous avons fait précédemment sur cette chaîne. Voilà, c'est tout. Je pense avoir fait le tour de vos trois principales questions. Si toutefois, il y a encore des choses qui sont pas claires avant de vous énerver, de disliker, de partir en folie, genre c'est la fin du monde, posez vos questions. Je suis hyper ouverte, donc allez-y, laissez vos questions, laissez vos remarques et j'essaierai de vous aider un maximum à prendre en main cette plateforme parce qu'une fois que vous allez la découvrir, vous allez voir que vous ne pourrez plus vous en passer. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube pour tout un tas d'infos et de tutos ou alors à très bientôt sur Twitch pour nos prochains lives. Ciao tout le monde !